بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار الطيبين وصحابته الأخيار المهتدين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، شيخ سير شيخ خير، مرحبا بكم، مرسي دنو رجوان درسو قناة الجيغي داتخو رانديفو داتخ فيدال à votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr Zohri Kujaké, chaleureusement j'ai l'honneur de l'accueillir toujours avec moi. Enchanté et le plaisir d'être aussi d'être parmi vous, Maître Migari. Et comme l'accoutumé, comme d'habitude, on met à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour poser vos questions, ainsi qu'un email avireligieux@gmail.com. Et vos questions sont les bienvenues. Docteur Johri, nous entamons, après votre permission, les questions. La première question, en dehalaka, puis l'invention à Moussouès. Salam alaikum. Il m'arrive parfois, lorsque je fais la prière, de ne plus me rappeler où j'en suis, surtout quand il y a deux rak'as. J'aimerais que vous me dites ce que je dois faire. Est-ce que je continue ou je recommence tout? Merci pour votre réponse. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Concernant cette question, elle a été évoquée au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a informé ses compagnons qu'il y a un type de Satan, un type de djinn, qui s'en occupe en quelque sorte du fait de brouiller en quelque sorte l'image à celui qui prie. Et celui qui a ce souhait-là, qui revient toujours, d'abord, il peut faire pendant sa salat ta'wida. A'udhu billahi min shaitan rajim, en tournant vers la gauche comme ça trois fois et en simulant à peu près le fait une petite salive comme ça, voilà. Une toute petite salive comme ça, et il dit a'udhu billahi min shaitan rajim trois fois. Et concernant, c'est-à-dire le nombre des raka'at qu'il a accompli, s'il est dans le doute, il construit toujours sur le moindre, c'est-à-dire la moindre des deux, le moindre des deux nombres. C'est-à-dire s'il a le doute, est-ce qu'il a fait trois ou quatre, il va dire j'en ai fait seulement trois. Le doute entre deux et trois raka'at, il va se dire j'en ai fait que deux. Et il poursuit sa prière, et puis après le salut, Ba'd Tslim, il rajoute deux prosternations, sujoud sahw, avec bien sûr un tashahhud et un autre salut. Et c'est-à-dire, il ne doit jamais couper sa prière, parce que l'intention de ce Satan-là est d'en arriver à ce que, c'est-à-dire celui qui applique la salat, celui qui prie, délaisse sa prière et sera dégoûté de cette prière-là. Il fait la prière et il la refait 3, 4, 5, 6 fois, etc. Et puis il n'en sort pas. Il va finir par la délaisser. Alors, toujours, on va construire sur le moindre des deux nombres, le moins, c'est-à-dire entre deux et trois, on va se dire deux rak'at seulement, et
On continue notre prière avec un sujoud sahou, c'est-à-dire deux prosternations directement comme ça après le salut de notre prière et un autre tashahoud et un autre salut. Docteur Chouhri, au cas où là, lorsque ce doute vient rarement, mais lorsque ce doute devient systématique, à chaque fois que je fais la prière, il ne faut jamais, en quelque sorte, prendre en considération ce doute-là. Il y a quelque chose qui te dit j'en ai fait deux ou trois, ou est-ce que j'ai accompli trois ou quatre, et ça revient systématiquement. Là, vous n'écoutez jamais, ce doute-là, Inch'Allah. Voilà. Et nous avons Boudjoufis qui d'abord. Ah, d'accord, c'est Yasmine de Toulouse. Marhaba. Allô? Allô? Madame Yasmine, marhaba alik. Salam alaikum. Salam alaikumullah. Salam alaikum. الله يبارك فيك. الحمد لله. ça m'a fait plaisir les comptes parce que chaque fois j'essaye mais j'ai pas eu de chance aujourd'hui الحمد لله que ça بكتب وحكمتكم. Voilà chef maintenant je suis parce que je regarde moi je suis votre émission tous les dimanches je sais comment عندك le temps. Voilà j'ai 54 ans. Aya ou في الدين تاع رمضان وما كملتهش كاع ما كملتهش كنت صغيره وكعرف الصغر الواحد ما يعرفش. درك قبلنا الحمد لله اننا نعرفوا ونصلوا ودرس صالح يا وراني متمنيه نجيب عمره وقلت له كان تعمل روح وهو مازال في الدين بدرس صالح ما يفوتوا لي في راسي يا بس نفكر شي فو D'accord. Yani, est-ce que ça empêche yani, le fait que vous avez des dettes est-ce que ma tratouhama ou là c'est ça la question واه les dettes واه تاع رمضان واه هذه وما دراهم on va vous répondre madame مرحبا D'accord. Ça reste toujours une dette. Il faut la rembourser. D'un côté, bien sûr, il faut la rembourser. Mais pour l'Omra Pour l'Omra, ça n'a pas de lien. Aucune relation. Aucune relation. Vous pouvez faire l'Omra, vous pouvez faire le Hajj. Ah. En étant endetté aussi. Hein. Ce n'est pas une dette d'argent. C'est-à-dire qu'on a on est endetté à autrui. Hein. C'est une dette entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous pouvez, bien sûr, la rembourser avant d'y aller à la Umra, vous le faites. Sinon, ça n'empêche pas, inshallah, de faire la Umra ou de faire même le Hajj. Mais il reste à préciser aussi que parce que vous avez délaissé ce remboursement-là des dettes du mois de Ramadan plusieurs années, là, vous êtes obligé de vous acquitter d'une fidya pour chaque jour. Voilà. Une fidya, nourrir un nécessiteux. Voilà. J'effectue, docteur Johari, j'effectue régulièrement des voyages d'affaires dans les pays en Europe, Italie, Espagne, France, etc. Oui. Et je me retrouve souvent confronté à un problème. Oui. Je suis tout le temps invité par des clients dans des restaurants, des clients, où il n'y a pas de viande halal. Oui. Je me retrouve donc à devoir expliquer à mes clients pourquoi je ne mange pas de viande, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh. Je mange donc des légumes et du poisson pendant tous mes voyages, parfois pendant une semaine, midi et soir. Aussi, certains collègues musulmans mangent des viandes non halal en voyage, mentionnant la sourate 5, verset 5, pour justifier le fait de manger de la nourriture des gens du livre. Oui. Quel pays pouvons-nous considérer comme chrétien? Ouais. Est-il acceptable de manger de la viande en voyage d'affaires quand on est invité par des clients dans des pays chrétiens? Je vous remercie. Ça ne change rien à, au jugement de notre charia par rapport à la viande. C'est-à-dire, ce qui est permis, c'est la viande d'une bête déjà licite à la base, puis qu'elle soit égorgée par quelqu'un de croyant, hein, celui qui croit à Allah et croit au jugement dernier. C'est-à-dire, les musulmans,
les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Qui observent les règles et rituelles. Qui, bien sûr, et qui observent les rites et les règles. Les voilà. Règles. Et là, quand on parle d'un pays chrétien, ce n'est pas par pays, mais c'est par institution, c'est par peut-être communauté, par la personne qui vous vend cette viande-là. Si vous avez la certitude qu'il a égorgé, qu'il est chrétien ou il est juif, là, elle vous est permise, cette viande-là. وَطَعَامُ الَّذِينَ Le verset, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. C'est-à-dire, il faut s'en assurer d'abord qu'il soit des gens du livre et qu'il a observé en quelque sorte et qu'il a respecté les règles même de sa religion. Parce voilà. que chez eux aussi, c'est-à-dire ils ne peuvent pas normalement manger que de la viande égorgée, c'est-à-dire la viande halal, ce qu'on appelle nous la viande halal. Et manger du poisson, ça ne vous tuera jamais. C'est-à-dire ce n'est pas une nécessité de vie, hein. Vous pouvez manger d'autres choses et ne pas manger de cette viande-là. Le fait d'expliquer ça, si ça vous gêne, de ne pas dire que vous êtes musulman ou pratiquant, etc. Je sais pas, vous pouvez dire je suis végétarien, je mange pas de la viande, etc. Non, même peut-être dire que je suis musulman, voilà. Ça les incite à vous respecter. Voilà, normalement. Mais peut-être il y a de la gêne dans ça, je sais pas. Mais il y en a des gens à qui on n'explique pas lorsqu'on dit on est végétarien. Hein? Ça y est, ça se comprend. On est végétarien, on ne mange pas de la viande, etc. Et si vous ne trouvez pas de la gêne pour leur dire je suis musulman pratiquant et je ne mange pas de la viande qui n'est pas halal, là aussi, vous êtes en quelque sorte dans l'obligation de le dire parce que vous n'allez pas transgresser les lois de votre religion, rien que pour faire plaisir aux autres. Aussi, peut-être, ils ont des idéaux, des religions, je sais pas, des philosophies qu'ils respectent. À vous aussi de respecter vos dogmes avec fierté, vos dogmes, votre religion, les enseignements de votre religion. Le fait de ne pas trouver seulement, c'est-à-dire, ne pas trouver nullement, je dis bien, nullement, de nourriture et de tomber sur de la viande qui n'est pas halal, là vous pouvez manger. Mais lorsqu'il y a une alternative, il y a toujours une alternative. On n'est pas dans une situation où on est obligé de manger quelque chose d'illicite. Lorsqu'il y a des alternatives, pourquoi pas les utiliser. Et vous avez bien fait d'évoquer qu'il y a des gens qui ne mangent jamais de la viande parce qu'ils sont végétariens. Voilà. Ils ne sont jamais gênés. Et voilà, ils sont jamais gênés. Alors qu'un musulman ne peut pas dire que je ne peux pas manger de la viande qui n'est pas halal. Mais normalement, ils vont vous respecter davantage. Voilà. D'accord. Et puis, c'est pas par pays, on dit un pays chrétien ou un pays. Même dans les pays musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Et on peut en acheter de la viande de chez eux, lorsqu'ils sont bouchers, etc. Et puis, s'il y a cette condition-là, qu'on a le véritable savoir, hein, parce qu'ils sont fidèles, qu'ils sont fidèles à leur rite religieux et qu'ils égorgent la bête qui est déjà, bien sûr, à la base licite chez nous. Ouais. D'accord, et au bout du fil, nous avons Fatima de Toulouse. Madame Fatima, marhaba. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah. Ouais, salam. Elle a juste une question parce qu'elle a oublié handicapé. Il touche sa pension, une pension de 800 euros, le pauvre, pour son avenir. Et voilà, je voulais savoir, est-ce que je zakat? Zakat, est-ce qu'ils ont le seuil, c'est-à-dire. Est-ce que ça dépasse les 3000 et quelques. Ah, d'accord. 3200 euros. Ouais. On va vous répondre, madame. Docteur. Merci. Marhaba. Oui, cet argent-là est concerné par la zakat s'il a dépassé le seuil, comme vous l'avez dit, Maître Migar, il n'y sabe. Et il y a l'écoulement, bien sûr, d'une année lunaire. Et pour ça,
C'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam nous a en quelque sorte enseigné une méthode pour ne pas que l'argent soit absorbé par le zakat, c'est de l'investir. Essayez d'investir cet argent-là pour qu'il ne sera pas absorbé par la zakat. Mais sinon, à chaque fois, il y a une pension mensuelle. Voilà. 2,5% c'est minime. C'est-à-dire une somme peut-être de 4000 dinars, ça sera seulement 40 euros. Voilà. Sur 4000 dinars, 4000 euros. C'est 4000 euros, ça sera 40 euros. Ce n'est pas vraiment une somme considérable par rapport à ce qui va vous rester après l'acquittement de cette zakat-là. Mmh. Mais tout argent emmagasiné qui dépasse le seuil, avec l'écoulement bien sûr d'une année lunaire, est considéré par la zakat. Qu'il soit... Même qu'il soit l'argent d'un orphelin, on va dire ça, un orphelin très petit, etc., il est concerné par la zakat. D'accord. Salam alaykoum. Une femme vous demande si elle peut faire un don à une autre femme pour qu'elle puisse se faire inséminer, car elle ne peut pas avoir d'enfant. Vous n'avez rien dit sur l'insémination. Si on en a parlé. Elle ne peut pas avoir d'enfant. De qui vient cette insémination, de son mari ou d'un autre? Bon, c'est un peu, ce n'est pas clair, mais on va parler de l'insémination. L'insémination artificielle est permise en islam, sous bien sûr quelques conditions, qui sont à peu près 4 à 5 conditions. La première condition à observer, c'est que, c'est-à-dire, la semence soit prise des deux époux et qu'il n'y ait pas une tierce personne qui rentre en matière. Hein. Oui. C'est-à-dire, on prend les embryons ou les ovocytes ou je ne sais pas quoi de la femme, de l'épouse, et on prend la semence de l'époux. S'il y a... Donc, l'utérus de la... Bien sûr, avec... Ça, c'est la deuxième condition. Et quand on plante, en quelque sorte, cet embryon-là fécondé, on doit l'implanter dans l'utérus de l'épouse, non pas emprunter un autre utérus. Et puis, il y a d'autres conditions à observer, c'est que, c'est-à-dire, barrer un petit peu la route à d'autres peut-être inséminations qui se feront peut-être en cachette, etc., c'est que qu'il y ait en quelque sorte un engagement de la part de cette institution-là, de cet hôpital-là, de ce médecin-là, etc., qu'ils vont exterminer toute semence qui va rester en plus. Il ne garde rien de... Voilà, c'est ça. Cette femme-là ne peut pas donner sa semence, ses embryons, pour une autre femme, sous prétexte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Allah ghalib, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe « ikhtilat al-ansab ». C'est-à-dire, ça ne préserve pas l'affiliation comme l'islam l'a voulu. D'accord. Et Nasruddin, nous avons au bout du fil, Nasruddin d'Avignon. Monsieur Nasruddin, marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai deux questions à poser. On m'a parlé d'un hadith sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il préférerait qu'on lui plante un clou dans le crâne que de toucher une femme. Je voudrais savoir dans quel sens il a dit ce hadith. Ça, c'est ma question numéro 1. Et ma question numéro 2, je travaille dans un groupe, dans un grand groupe, où il me donne des participations de bénéfices. Et cette participation de bénéfices, elle est bloquée pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, je peux débloquer cet argent pour savoir si cet argent elle est halal ou haram. Par contre, je me suis renseigné et on m'a dit que cet argent, il travaille à la bourse avec. Je suis sûr à 80%, pas à 100%. Voilà.
Ça, c'est le travail, la nature du travail, s'il vous plaît. Mais... La nature de cet investissement-là. Dans le BTP, je fais partie du groupe de Colas. C'est un grand groupe international. Non, ils investissent dans quoi? Vous investissez dans l'investissement dans quoi, c'est-à-dire? Vous donnez votre argent comme ça sans le savoir? Je ne peux répondre à cette question. Ouais. D'accord. Marhaba, on va vous répondre. Voilà, hamdoulikoum. À la prochaine, inshallah. La jazakoum bel khair. Ouais. Pour حديث لأن يمس امرأة لأن يخز أحدكم إلى خير أحسن من أن تشمخ. لا الحديث اللي دون البخاري اللي دون مسلم aussi, c'est-à-dire c'est un hadith authentique. On ne peut pas nier son authenticité, mais reste à parler sur son exégèse, c'est-à-dire son explication, hein, son interprétation. Le hadith il est comme suit: لَأَنْ يُخَزَ أَحَدُكُمْ بِمِخْيَطٍ فِي رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ مَرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ. Ce qui veut dire ajnabiya, voilà. C'est-à-dire être, je ne sais pas, cloué par un grand clou, mais mikhiyat, voilà, mieux que de toucher à une femme qui ne nous est pas licite. Là, le prophète, alayhi salatu wasalam, a utilisé un mot qui est utilisé dans le Coran aussi, par Allah subhanahu wa ta'ala, al-mas, al-lams ou al-mas. Khayrun lahu min an yamassa mara'atan la tahillu lahu. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tourjouman du Coran, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, a dit: Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit ce qu'il veut avec la parole qu'il veut. Et lorsqu'il évoque l'acte charnel, hein, entre les époux, il le qualifie ainsi: al-mas aw al-lams. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ya ayyuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna, ça veut dire l'acte charnel, entre le rapport entre les époux. Lorsqu'il dit fatahriru raqabatin min qabl an yatamassa, ça avant veut dire qu'il aussi, y ait l'acte. Avant qu'il y ait l'acte charnel, le rapport sexuel entre les deux époux, etc. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même sur al-lams, c'est pas le fait de toucher la main, parce qu'il y en a qui expliquent ça par le fait de toucher la main à une femme. Non. Ce hadith-là, on peut pas le prendre comme référence pour interdire le toucher de la main entre les femmes et les hommes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ayat al-wudu et tayammum nous dit: wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa. Est-ce que le fait justement de toucher la main ou de, je sais pas, non, mais Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire par ce mot-là, c'est-à-dire vous avez accompli un rapport, voilà, entre vous et vos femmes, etc. Là, vous êtes dans l'obligation de prendre une douche rituelle, hein, le ghusl. Et dans ce hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire ça, c'est-à-dire être cloué par un clou, hein, mieux que de tomber dans ce qu'on appelle la fornication, az-zina. Ce n'est pas le fait de toucher la main à une femme, mais le fait de tomber dans la fornication, c'est-à-dire de commettre le péché avec le rapport sexuel. Là, j'ouvre une parenthèse, docteur Jouris, pour rappeler l'une des causes de la divergence entre les savants, c'est les mots polysémiques. Bien sûr. C'est les mots par leur nature. Je suppose que l'interprétation est l'autre. Voilà. Donc, yamas,
le contexte coranique, c'est le rapport. C'est toujours le rapport. Il n'y a jamais, Et ceux qui donnent ordre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette, divergence. Merci. Alors ce hadith-là, on ne peut pas le prendre comme référence pour interdire le fait de toucher la main entre les hommes et les femmes. Et pour la deuxième question. Ah, la deuxième question. Là, s'il s'agit d'un investissement légal, licite, là, bien sûr, cet argent-là vous revient de droit. Mais il faut savoir où votre argent est investi. Parce que vous êtes peut-être dans un pays qui ne respecte pas peut-être les enseignements de l'islam par rapport à un investissement dans des choses illicites, etc. Apparemment, il n'y a pas de problème dans ce cas. Apparemment, il n'y a pas de problème, mais essayez d'avoir l'information où cet argent-là est investi. Et ce détail est déterminant. Oui, bien sûr. Et nous avons Boudjoufil Nassera de Paris. Madame Nassera, marhaba. السلام عليكم دكتور. سلام مرحبا بك يا عيشك. عيطت باش نتقسي بارابور ل تو سور دو فينيغر بلزاميك فينيغر دو فان روج لو فينيغر vous m'entendez docteur? Oui, on vous entend oui. Bien. C'est vinaigre, est-ce que c'est halal ou haram? Parce que je trouve chez ma famille tout ça et moi dans ma tête c'est haram, je voulais savoir. Le vinaigre balsamique, cidre, toutes sortes de vinaigres qu'on trouve dans les magasins ici en France. D'accord. Est-ce que c'est halal ou haram? D'accord. On va vous répondre, madame. Je vous remercie. Marhaba. Alors, du moment qui s'appelle vinaigre, نلا خل تخلل والخمر اذا تخلل صار حلالا devient licite, c'est-à-dire même le vin lorsqu'il se transforme, c'est-à-dire par une certaine réaction chimique, etc. Les connaisseurs le savent comment. Voilà, là il devient licite, il devient halal. Du moment qu'il est vinaigre, on l'appelle ainsi, qu'il est qualifié ainsi, c'est un vinaigre, hein, c'est du vinaigre, qu'il soit issu, je sais pas, du vin, ou qu'il soit issu de la vigne, qu'il soit issu de la cidre, qu'il soit issu d'autres matières, le fait qu'il est vinaigre, il est halal. C'est et bien. D'ailleurs, le vinaigre existait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les Arabes de cette époque-là connaissaient qu'est-ce que c'est le vinaigre. Et le prophète alayhi wa sallam en a mangé. Et le prophète alayhi wa sallam l'a utilisé comme idem. Khayru idamikum al-khal. Là, c'est un hadith aussi authentique dans Sahih Muslim, dans Sahih al-Bukhari aussi. Le prophète alayhi wa sallam a rendu, en quelque sorte, ou a laissé, a laissé le vinaigre comme étant halal. Et les Arabes l'utilisaient pour faire l'assaisonnement, on va dire ça, l'assaisonnement pour la viande. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a toléré ça. Yani, lorsqu'on parle de la transformation, la structure moléculaire elle change. Elle n'est plus du vin. Elle n'est plus du vin. D'ailleurs, pour rappeler le hadith ou le hadith yudhkur, la divergence quant à la gélatine porcine. Il y a un consensus des savants que s'il y a eu une transformation, ce n'est plus du porc. Voilà. Barakallahu fik. Alors qu'il y a une divergence, c'est que, c'est que cette transformation n'est pas est-ce sûre. Qu'elle est complète ou pas? C'est ça. Quand on a une donnée, il y a eu une transformation complète. Ce n'est plus du porc, cette gélatine. Voilà. C'est même chose. Ça sera une autre substance chimique. Mais quand pour le vinaigre, on est sûr. Et d'ailleurs, le porc, même en prenant le porc, il y a de la chair, il y a, c'est-à-dire des os, etc. Quand il se décompose, il rentre dans la nature. Et on a des légumes, des fruits, etc. qui des plantes qui absorbent c'est-à-dire cette matière-là après transformation, après sa décomposition. Donc il n'y a pas de souci pour le vinaigre. Il n'y a pas de souci. Nous avons Farida d'Alger. Madame Farida, marhaba. Bonjour. Bonjour.
Il y a une chose qui me tracasse dans ma vie. Pardon? Donc, je me suis mariée très jeune. Oui. Mais في شهر رمضان كانت بيناتنا علاقات جنسيه. Donc c'est que je ne pendant sais la journée, d'abord pendant la journée. Oui, oui, pendant la journée. Une fois, deux, plusieurs. Donc fois. Ça me tracasse maintenant. Une fois, plusieurs fois. Je veux régler ça, sadaqa ou le, je ne sais pas comment. Ça dure plusieurs fois, ça dure. Bien sûr. Plusieurs fois, oui. Ah, pendant Ramadan. Ramadan. Pendant la journée de Ramadan. Ans, donc j'étais jeune, je ne sais pas. Très bien. Voilà, merci monsieur. Merci, Marhaba. Elle ne savait pas, elle était jeune. Bah, même qu'elle ne le savait pas, là, elle a l'information. C'est-à-dire, elle doit faire le kfara, déjà rembourser ces journées-là, premièrement, et puis faire une kfara. Et le kfara, l'expiation, c'est-à-dire, betrir, hein. Vous avez le elle choix. Elle est au choix. Voilà. Vous avez le choix entre trois choses, entre deux choses, on va dire, parce que la troisième elle n'existe plus. Elle n'est plus. Tahrir raqaba, affranchir un esclave, etc. Non, ce n'est plus de l'actualité. Ouais. Mais il vous reste deux types d'expiation. Comme vous le voulez, hein. C'est de jeûner soit 60 jours, shahrayn mutatabi'ayn, soit jeûner 60 jours pour d'affilée, chaque journée, pour chaque journée, plus le remboursement. Plus le remboursement de cette journée-là. Sinon, si elle ne peut pas. Le choix. Non. Mais le choix. C'est au choix. C'est-à-dire, vous avez le choix entre. Soit vous jeûnez 60 journées pour chaque. Sans interrompre rien que pour. Consécutif. Voilà, c'est consécutif, sans interrompre. Sauf s'il y a bien sûr un empêchement. Voilà, un empêchement. Ada Shahariya, ou l'Emsefer, Mariyad, etc. Non. Sinon, il faut que ça soit comme ça, consécutif. Ça, c'est pour le jeûne. Sinon. Sinon, ou nourrir 60 nécessiteux. Pour chaque journée. Pour chaque journée. Plus le remboursement de plus la journée. Plus le remboursement. Voilà. Ça, c'est, là, peut-être, si c'est-à-dire demande. Vous avez un nombre comme ça, peut-être vous avez un nombre de jours où vous avez commis, en quelque sorte, ce péché-là pendant la journée. Parlons d'une journée. Ouais. 60 nécessiteux. 60 nécessiteux. C'est-à-dire pour approximativement, parce que c'est une kafara, ce n'est pas une fidya. Déjà, et lorsqu'il y a une kafara, Allah Azza wa Jalla a cité ça. Concernant Kfarat Hanth Liyami. Entre 100 et 150 dinars. On va dire 150 dinars. Pour... Voilà. On va dire 150 oui. dinars pour chaque nécessiteux. C'est la moyenne aujourd'hui pour que. C'est-à-dire 60 mange... personnes pour chaque jour. Voilà. Plus le remboursement. Plus le remboursement. Voilà. Et vous pouvez faire ça, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez d'argent. C'est-à-dire partiellement, vous pouvez, c'est-à-dire vous acquitter de l'expiation par rapport à une journée, et puis lorsqu'il y a un autre revenu, inchallah, une autre journée, et ça suit. Voilà. Merci, docteur. C'est le temps pour aller à une petite transition. Mesdames, messieurs, restez avec nous après la semaine, inchallah. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
الأصيل الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous revenons, Dr. Jouhri, pour les questions de nos chers téléspectateurs. On vous demande, Salam, peut-on mettre des faux ongles et faire la prière? Oui, oui, c'est permis du moment que vous avez fait vos ablutions avant, bien sûr, de les mettre. C'est la même chose de faire ses ablutions et mettre des chaussettes ou la mettre des gants. C'est la même chose. Hein? Parce que de faux ongles ou la khaja, ça ne change rien à vos ablutions. Du moment qu'elles sont déjà faites avant que cette chose-là sera mise sur vos doigts. Tu peux faire la prière, il faut que ces ongles soient tahrim. Ben oui, ben oui. Mmh. Hein? Non, mais je ne vois pas de problèmes ou de soucis dans cela. Mais si vous voulez reprendre vos ablutions, c'est-à-dire, ben, il faut les... on ne peut pas faire avec. C'est-à-dire, il faut les enlever. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que ça se place et il faut qu'il soit comme ça. Hein? Si ça... Non, si ces ongles-là se placent et ils ne s'enlèvent pas pendant, je ne sais pas, de... une certaine période, là, non, les ablutions sont annulées parce que l'eau n'intervient pas à vos ongles. Si, ouais. Mais si on peut les enlever pour un autre, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Et nous avons au bout du fil Asia d'Avignon, Madame Asia, marhaba. Marhaba, bikh,
خويا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انا عيطت لكم جوست باش نسقسيكم اون كيستيون تري امبورطونت باسكو جو سي اون فورماسيون داسيستونت دو في او فامي اي ابري ما فورماسيون جو في اتر اوبليجي de faire la toilette pour des personnes que ce soit âgées ou jeunes. Et je vais faire l'aide à la toilette avec des infirmières ou des fois même moi toute seule parce que je l'ai déjà pratiqué ce métier avant que je fasse ma formation. Et comme je fais la prière, est-ce que à chaque fois que j'effectue une toilette complète pour une personne que je vais, la personne sûrement elle va être je suis désolée pour le mot nu, est-ce que je vais être obligée de faire l'odol akbar à chaque fois? C'est ça ma question. Ou je continue ma prière quand je rentre chez moi, par exemple, s'il y a la prière dans le Maghreb, je fais le wudu terri normal ou je fais le Maghreb terri? Ben oui. D'accord, c'est clair, madame, on va vous répondre. Merci. Là, inchallah, vous allez avoir de la récompense par rapport à votre travail. La récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Essayez d'avoir cette intention, la niya, que vous êtes dans l'aide aux personnes. Qui nécessite cette aide-là, même que vous serez rémunéré, inshallah, par l'argent, mais vous aurez, inshallah, une récompense au jour du jugement dernier si vous le faites bien et vous essayez encore d'observer quelques conditions. Ces conditions-là, elles sont dans la médecine aussi, mais par rapport aussi à la charia, essayez de mettre les gants. Et de ne pas toucher directement, c'est-à-dire essayer de mettre les gants. Mmh. Et concernant votre prière, vous n'êtes pas dans l'obligation de refaire les grandes ablutions. Même quand on lave, c'est-à-dire un mort, hein, un défunt, hein, ce n'est pas obligatoire de refaire, mais c'est beaucoup plus recommandé, mustahab. Il est préférable à celui qui lave un mort, un défunt, de refaire ses grandes ablutions. Mais s'il ne refait pas ses grandes ablutions, ça ne n'annule jamais sa prière. Il fait juste les petites ablutions. Et je rappelle, docteur Johri, qu'il y a une règle, qaïda fiqhia, al-mashqa, lorsqu'il a la difficulté, il a la facilité. Nos juristes consultent, donnent un exemple à l'Al-Qaïda. Ils disent que le mort de la femme qui allait, celui qui travaille dans le nettoyage, celui qui travaille dans le battoir, ont une certaine facilité lorsqu'il y a Hajjah Mashaf. Même qu'il y ait des restes comme ça. Donc il n'a pas fait attention parce qu'il est dans la facilité. Donc ça convient de le rappeler de cette Qaïda, docteur Touré. Je vis en Algérie. Oui. Et j'aimerais me convertir à l'islam. Oui. J'ai lu le Coran et j'apprends à faire les ablutions et les étapes de la prière. On voit souvent des conversions devant un grand public. Est-ce obligatoire? Yannick, c'est le public. Peut-on se convertir en toute simplicité avec un imam et quelques témoins? Eh bien oui. Eh bien oui, normalement ça doit se faire ainsi. Hein. Normalement c'est comme ça. C'est pas un show. Il ne faut pas tomber dans le chou, quelqu'un qui se convertit à l'islam, parce qu'il y a des milliers aujourd'hui, alhamdoulilah. Hein, cette religion-là, elle est forte par elle-même, par ses enseignements, par ses vérités, etc. On peut se convertir à l'islam. Moi, je dirais, c'est-à-dire, il faut seulement qu'il y ait quelques témoins. Et ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est pour servir à autre chose. Parce que quelqu'un qui se convertit à l'islam, il peut le faire entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il le fait devant quelques musulmans, on va dire au moins deux témoins comme ça, qui serviront de témoins par rapport à notre comportement, par rapport à celui qui s'est converti. C'est-à-dire, il peut se marier avec, s'il s'agit d'un homme, il peut se marier avec une femme musulmane. On peut le prendre comme témoin des actes, peut-être de mariage ou autre, etc. Et puis, il y a quelques droits du musulman vis-à-vis d'un autre musulman, etc., pour qu'on sache, pour qu'on ait seulement l'information que ce bonhomme-là ou cette femme-là
est devenu musulman ou musulmane. C'est pour servir à cela. Mais sinon, il peut faire même la conversion entre lui et Allah. Voilà, se convertir à l'islam, il y a des minutes bien Allah. Voilà, c'est entre lui mais et Allah. Mais parfois, une démarche administrative voilà, nécessite un cela. Papier. Nécessite pour un papier. Pour revendiquer un droit en tant que musulman. Donc c'est pour ça que c'était moi. Ce n'est pas pour des hajabines ou Mais après, on est tombé, il faut le dire, on est tombé dans ce phénomène-là de faire du show à chaque fois que quelqu'un se convertisse à l'islam, etc. On est en train de dévier un petit peu le sens de cette religion, qu'elle est une chose qui lie l'être humain à son créateur. Voilà. Donc, ce que préfère ce monsieur, c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est la règle. Eh ben, d'accord. Eh ben. Bon, une autre question, docteur Djouhri. Voilà, j'ai mon fils qui a fait un choix. Il est avec une femme musulmane, mais qui a déjà été mariée. Elle est aujourd'hui divorcée, mais elle a 3 enfants. Ouais. Nous, ses parents, avons accepté ce choix malgré tout et voulons faire le mariage religieux pour qu'il soit en conformité auprès de Dieu. Ouais. Mais sa grand-mère paternelle n'est pas d'accord. Et donc, je voudrais savoir si je passe outre son consentement, est-ce que je suis en faute ? Merci. Non, vous n'êtes pas en faute. Mm-hmm. Parce que le consentement de la grand-mère ne rentre pas dans les conditions et les piliers de l'acte du mariage seulement. Et puis, qu'elle soit déjà mariée, divorcée avec 3 enfants, etc., ça me rappelle un petit peu le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha. Oumouna Khadija, elle s'est mariée 2 ou 3 fois, je sais pas, 2 fois maître Migari avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ma connaissance, Allahu alam, elle avait même 2 enfants. C'est-à-dire avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle le devançait de quelques années. Il y en a qui arrivent à dire elle le devançait de 15 ans, mais les chercheurs, les vrais chercheurs disent qu'elle le devançait de quelques années, ça peut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans comme ça. Bon, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Et le consentement de la grand-mère n'est pas une condition, n'est pas un pilier, n'a rien à voir avec la conformité de l'acte de mariage. Déjà, c'est un garçon. Il n'a pas même pas besoin même du pas, même pas, il n'a pas besoin même du consentement de son père. Même. Voilà. Même. Voilà. Donc, c'est bien rappelé. L'essentiel, que ça se fasse selon les... Voilà. Bon, là, bonjour, doit-on faire les ablutions selon ce que dit le Coran, à savoir essuyer la tête et les pieds, ou bien... Essuyer la tête et les pieds. Je ne sais pas. Ah ouais. Non. D'accord, on va revenir. Nous avons d'abord au bout du fil Abdelraouf de Paris. Monsieur Abdelraouf, marhaba alou. Monsieur Abdelraouf, il est toujours en ligne. Allô, monsieur Abdelraouf. Salam. Salam, alors justement, allô, vous m'entendez? Très bien. Oui, allô. Oui, on vous entend très bien. Seulement éteignez ou là, apparemment l'actimana à travers l'écran aussi. Alors, je suis là par téléphone. Alors justement, la première question, Cheikh, Oui. Oui. Alors je disais la première question, justement, quel est l'avis de la religion de travailler dans une banque ou de travailler dans une société intermédiaire entre la bourse et la banque, sachant que dans la bourse, justement, il y a des produits financiers qui font riba ou qui en quelque sorte aussi fulkmar. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel est aussi l'avis de la religion de travailler avec des Israéliens, sachant que les Israéliens financent l'État israélien dans le cadre de mon travail, justement. Ma deuxième question, vous avez... Ça, il a posé deux questions. D'accord. Monsieur Abdelraouf, on va vous répondre. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, pour la première question... dans les transactions bancaires, il n'y en a pas seulement que de l'usure.
Il y a d'autres transactions qui, d'autres produits, d'autres services, etc., qui sont licites. Si le travail dans cette banque-là, c'est-à-dire la proportion du haram est plus élevée que la proportion du halal, oui, on vous dit que ce n'est pas permis de travailler là. Mais si, si vous avez l'information que la proportion du halal est plus grande que la proportion du haram, là, vous pouvez travailler. Et concernant la deuxième question, ça relève du plan politique, c'est-à-dire le fait de faire des échanges, du travail avec des Israéliens, etc. Ça, c'est de la politique selon votre morale, vos principes, etc. Mais sinon, les transactions avec les gens du livre en général, les transactions avec l'empêchement religieux n'existe pas. D'accord. Mais un empêchement politique qui redevient peut-être religieux, c'est à vous d'en juger par rapport à vos convictions, par rapport à vos engagements politiques, on va le dire, par rapport à la Palestine. Mais pour la première question, même s'il a de l'usure, il est mandouche un autre endroit. S'il y a l'alternative, vous allez vers l'alternative pour la première question. S'il n'y a pas d'alternative, vous endurez, inchallah, jusqu'à ce que vous trouviez un autre merci travail. Merci, Dr. Jouhri, pour vos réponses. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention. D'ici la semaine prochaine. Donc, fa'atillahi wa hafdhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du désir au plaisir.